Vas-y, vas-y, moi je continue d'assécher le lac. T'as les projets des mecs. Moi je sèche le lac et je vais chercher des villageois pour les convertir en maçons. Des projets d'avenir. Et le fermer dans un box forcément parce que, c'est vrai que ça change du modèle, jamais, hein. Il reverra plus jamais la lumière du jour, bien évidemment. Ça va, parce qu'apparemment Twitch a des petits soucis actuellement. Donc peut-être que certains passent sous des interférences, mais ne vous en faites pas, ce ne sont que les serveurs. Merci Elvaillant pour ton sub et le 9e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. C'est le GG. Quelques perturbations sont annoncées sur le vidéo de Twitch. Vous pourrez rencontrer belle certains princesse. Bugs. Ce n'est pas de votre connexion, elle est toujours magnifique, forte et cordiale. Mais par contre, celle de Twitch, malheureusement, subit quelques problèmes. Ne vous en faites pas, cela sera réglé dès que possible par des techniciens affectés à cette mission. Merci bien. La météo maintenant avec Wotan. Cordiale, attention. Ouais, il veut pas venir le PNJ, je dois faire ça à l'ancienne. C'est un peu nul comme annonce de météo, je dis ça, voilà. le mec qui focus quoi. Ouais, non, c'est bon, là, ce maçon il veut pas venir. Là, tu passes pas quoi. Je vais aller le chercher dans son pays, je vais lui apprendre moi, comment ça toi, se passe. Tu fais partie des 5% qu'on peut eu leur bac cette année quoi. C'est gentil. Enfoiré. Monsieur, j'ai eu mon bac il y a quelques années quand même. Faut que le villageois maçon soit niveau master pour qu'il échange les blocs de quartz. Il était expert et la barre d'XP elle était au max. Ah bon? C'est quoi master alors? Master c'est off puppet? Non. Bah franchement depuis tout à l'heure je suis en mode master. Master. Par contre, il y a Master, c'est au-dessus d'expert ou pas? Ou vous tu bluffes? Foutez ma gueule. Marconi, tu bluffes. Non, il manquait genre 3 points d'XP que dit Yamikozan. Je pense qu'il regarde ton stream en même temps. Du coup, il dit qu'il manquait 3 points d'XP. Ah oui, vu qu'on est en squad. Nous, on est en squad, nous. On est dans la squad. On est dans la squad. Flash info sur Celestia. Nous apprenons que le jeune Wotan, individu kidnappeur de villageois, se serait réfugié dans une maison de fortune trouvée dans le village. Le forcené réclamerait un certain villageois Stonks. Mais tout de suite, la météo. Il fera beau. Bisous. Après quelques perturbations, il fera beau. Bisous. Sur la truffe. Vous n'avez pas de truffe. Tant pis. Oh merde. Ouais, j'avoue, je confirme. Merci l'info chat, je l'ai tué, il fallait pas. LOL. Il fallait que je traîne encore un tout petit peu. Oh le poulet. Après quelques heures de tractation infructueuse, le fameux Wotan. On se forcené de catégorie 7, autant emporte-vent, décida de tuer, sans vergogne, le malheureux villageois. Ah, un innocent. J'ai tué un innocent. Réussi à capturer la séquence sonore de cet événement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Yuneko. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a donné des blocs d'éponge. Ah. Tu vas les renommer en Bob. You know what? You know what it means? Ah, une tête de tofa, mais c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Oui, non, j'ai pas tué le villageois pour rien. Ça m'a permis d'avoir une tête et de taper une petite tranche de rigolade pendant quelques minutes afin de vous divertir. Putain, mais avec sa tronche. Je t'en ai tout les équipes. Pourquoi il a un chapeau là? What the fuck? Les vieux sangs. Je vais aller chercher un bateau pour ramener un villageois. Tiens, va sécher les éponges pour ensuite continuer de vider. Va sécher les éponges, mais de quoi ça parle quoi? C'est moi NPC. C'est moi NPC. Hey, je vais sécher les éponges. Hey, frérot, va sécher les éponges, t'as vu, parce qu'on peut là comme ça, on peut pas. Il faut les sécher, t'as vu. Ah, Yuneko qui nous fait gagner des précieuses heures. Mais il veut la sécher. Mais pourquoi t'as... Ah oui, si, t'as ramené des éponges. Oui, c'est bon, j'ai compris. Il t'a ramené des éponges pour que tu puisses faire ton opération séchage, quoi. Ouais. Du coup, je la sèche. Pire qu'à la salle. Tu la sèches ou pas? Eh mais les drops de tête, c'est instant ou comment ça se passe? J'ai encore une tête de PNJ. Ouais, tu peux les choper assez vite. Allo, ich... Oh là là, mais moi l'allemand, allô, je connais... Allo, ich heiße Fexios, ich bin ein Minecraft-Spieler. Moi, je parle pas allemand, du coup, c'est mort. Tu vois le mec qui fait allemand, quand même, c'est bien, c'est beau. Ich wohne in die cave auf... Je sais plus c'est quoi. J'ai fait très peu de... Enfin, si, j'ai fait de l'allemand, mais je m'en souviens plus, quoi. Ich sprach Deutsch ein bisschen, voilà, c'est tout. Ou sinon, je sais dire, mon cochon d'Inde s'est enfui. C'est très utile. Mein Meerschweinchen ist weg. Pourquoi t'as pris le cochon d'Inde? Mon chat, Rosie, est dans le saxophone. Ah. Ah bah oui, j'ai tué un villageois. C'est les phrases dans les manuels, c'est pas ma faute. Hein. Oh mon dieu. Mais oui, j'ai tué un villageois, donc du coup, l'autre, il va sécher. Oh merde. Comme les éponges.
Oh, il est quasiment mort, je sais pas par qui il a pris du dégât. Eh frérot, vas-y, je viens en paix, laisse-moi. Et frère. Eh, c'était ma... Eh, non, c'était ma... C'est ma première mort, les mecs. Je suis triste. Tu m'as vu quand je suis mort, moi? J'ai fêté ma première mort, moi. Il me suit. On me tue, sinon, non? Eh, ah, rends-moi les éponges Vexos, parce que je les garde de côté, quand même. Attends, je vais les sécher, déjà. Oh, non. J'ai croyé qu'il fallait que je... Putain, Wetan. Tu veux qu'on le bute? Ouais, vas-y, viens mettre des poteaux, s'il te plaît. Mais t'es en armure, t'es équipé ou pas, quand même? Ah ouais. Ok, de toute façon, tu vois son skin qu'il a pris beaucoup de dégâts, mais bon, c'est un peu du one, moi, voire tout shot. J'ai quasiment toutes les éponges. C'est pire. Ça oh, bah, je les ai pas drop, les éponges, what the fuck. Vexus? Oui? J'ai pas drop, les éponges. Je sais, j'ai vu. What the fuck. Ah non, mais t'inquiète. Tu les mets dans le coffre. Ça nous servira, ça. Voilà. Est-ce que je peux en garder? Si on les mettre à droite. Pour mon projet personnel. Ah ouais, putain, ils ont un skin qui se dégrade maintenant. Je savais pas que ça faisait ça. Ouais, plus il prend du dégât et plus son skin il se dégrade. Par contre, attends, est-ce qu'il me focus ou pas? Parce que s'il me focus pas, laisse-le. Hein. Il te focus. Il me focus. C'est bon. Ouais, bah c'est bon, parce que du coup, ouais, voilà. Merci. Tiens, t'as oublié tes bottes. Non, mais... Ah, merci. Tu pars avec son bateau, j'en peux plus. Et on a fini. Et au-delà. Bon, on est loin des 99 miles par heure, mais vas-y, hein, tu peux y aller. Par contre, c'est pas très glorieux, j'arrive pas à bouger, c'est à cause de ces... Oh si, ça y est. Oh, le talent. Allez, viens, je t'emmène. Par contre, j'arrive pas à bouger à cause de ces... des passes, là, sur l'herbe, là. C'est nul, ça. Oui, les passes t'empêchent de te déplacer. Ouais. Bah, c'est un peu caca, du coup. Mélange entre un cochon et un dinosaure. C'est Spider Cochon. Un vélociraptor. Attends, ça c'est un mix de Mélenchon et de Vélociraptor, non? C'est moi la République. Ma personne est sacrée. Ah, ces PNJ, qu'est-ce que c'est la merde. Il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour qu'on puisse les attirer ou faire quelque chose, parce que c'est chiant, quoi. On le gank. Vas-y, pousse-le. T'as pas une Garrett Sealer, s'il te plaît. Où est-ce que tu vas là? Baisse les yeux. T'as pas un masque, s'il te plaît? Aurais-tu un ouinge? Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me dépanner de quelques feuilles? Bien, merci. Non, il faut pas qu'il. Tu peux ramener le minecart? Attends, on ramène le minecart sinon. Non, attends. Ah, mais c'est que toi t'as bien. Allez, c'est moi qui l'ai vu, viens, Berry. Non, par contre, maintenant il faut. Le problème c'est qu'avec les bateaux, tu peux pas. Non, mais t'es pas sérieux! Non! Tu étais trop satisfait pour que ça continue. Oh non! Attends, vas-y, je pousse. Vas-y. Vas-y, pousse-le. Non! Ah non, si c'est bon, c'est pas. Putain, mais Vexios! Je vais conduire! On va le fumer! Oh, il est descendu, tu peux pas. Vas-y. Mais attends qu'il soit dans le bateau avant de. Il est insupportable. Eh, péto. Tiens, j'ai du blé. Hop là! Oui! Voilà, GG, vas-y, viens, ramène-le près du minecart. D'ailleurs, le minecart, il est plus dessus, les enfants. Je retourne comme ça, genre, je fais la manœuvre. Voilà. C'est quoi ça? On a de la dirt ou pas? Tu veux dire que c'est bon, hein? Parce que... Bon, là. Attends. Oh, c'est précis, ça. Le problème, c'est que là, je peux pas le... Je peux pas le bloquer, t'as vu. Ouais, c'est pour le forcer à ensuite se refoutre debout et... Ok, là j'arrive pas à voir, mais il peut sortir ou pas? Non, il peut pas sortir là. Ok, refile-moi mon bateau, poteau. Ouais, j'ai pas le budget pour te le laisser. Minecart! Va dans le minecart, frérot. Voilà, allez, gang! Hop là! Allez, gang bang! On a dit tu rentres dans la voiture! Mais c'est pas possible! Rentre dans la voiture! Mais vous avez rentre dans... Mais putain, mais... Il va pas. Mais il vous insérez. Non, je sais pas quoi faire là maintenant. Attends, sinon petit à petit, vas-y, décale-le. Vas-y, voilà. Hop là, voilà, tu vois, petit à petit, on va. Oh, regarde ça, voilà, il y a de moins en moins d'espace, hein, poteau. Hein. Allez, voilà. Non, on fait des progressions. Vas-y, va dans le trou, je t'ai dit, viens, tiens, vas-y, trade avec moi. Je le trade là.
Bon, je pense qu'en Vanilla, il y a encore quelques efforts à faire concernant les PNJ. Il a volé mon bateau. Je vous remercie cordialement. Alors, bougez pas. Bougez pas. Il a dérobé mon véhicule. Il est bien là. Hein. Attends, laisse-le là pour l'instant. Pousse un on va juste. Moi, ouais, non, c'est bon. Non, si tu veux le. Vas-y, replace-le si tu veux, mais moi, je vais juste virer ça. Non, déjà. Non, c'est bon, c'est bon. Ça, on va le virer. Ça aussi. C'est le bateau aussi. Alors, attends, faut surtout pas qu'il se barre, sinon ça va être chiant. Putain, les PNJ, c'est toujours autant la misère, hein. On va pas se mentir. Bah, faites-lui une cage, tu vois, pour pas qu'il. J'ai plus de terre, par contre. C'est bon, là, ça marche. Pète-le ouais, moi, Non, 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 pète pas, il peut sortir, vous êtes sérieux, les gars. Pète-le. Je vais te montrer, moi, c'est quoi le respect. Mais, voilà, pousse-le. Yes. Hop. Voilà, ça, c'est pas du travail d'équipe, ça. T'as l'air bondi. Ça, c'est du. Non, voilà. Mais lui, il va jamais donner du quartz, lui. Plus 3 émeraudes pour une hache. Ah, pareil, il a une épée sharpness 2. Ah, c'est bon, quand même. Il s'est pas encore transformé. Non, alors je vais te dire comment on va faire. Ça marche pas comme ça, en fait. Là, il est posé. Ouais. Ce qu'il faut faire, il faut enlever le truc de maçonnerie pour qu'il perde son métier. Ah ouais, tu peux faire ça? Voilà, parce qu'on n'a pas trade, en fait. Si tu trade, c'est mort. Donc là, il faut qu'il perde son métier. C'est quoi, ça? J'ai entendu une espèce de chauve-souris mélangée avec un chihuahua. C'était quoi, ce cri? Je ne sais point. Attends. Fait waouh. C'est, on est d'accord. Est-ce que le live a entendu ça? Parce que... Ah, ça doit venir de chez Watan. T'as pas un chien, Watan, non? J'ai pas de chien. C'est peut-être des runners. Ma femme est couchée. Non. Ouais, non, vous avez entendu ce bruit qui était extrêmement étrange. Peut-être j'étais en mode... Attends, il y a un nouveau... Après, j'ai une fenêtre ouverte dans la pièce d'à côté, donc... Moi, ça fait... C'est un truc comme ça, genre, j'étais en mode... Ok. J'étais tellement taqué que j'ai pas entendu, mais... Il a toujours pas perdu son métier, là. Là, il faut attendre. Mais on va attendre quoi, en fait, à midi? Qu'est-ce qui va se passer à midi? À midi, le soleil sera aligné avec la lune. Non, en fait, on me dit qu'il est lié au village et que c'est ça qui fout la merde. Je vais aller checker. Non, c'est vrai, il travaille plus la nuit, il faut péter le bloc de métier. Mais le bloc de métier de quoi? Est-ce que c'est le bloc de métier qui est relié au village ou le bloc de métier qu'on a à côté parce qu'il prend ceux qui sont à côté? Moi, je pense pas que c'est à côté, c'est pas possible parce que le Stonecutter est beaucoup plus près. Je vais au village, je vais péter au fourneau là, le Blast Furnace, je vais le péter et on va voir si. Tcha-tcha-tcha. S'il se transforme ou pas. Juste pour savoir si je me fais chier en prendre un autre ou pas. En fait. C'est pas Billy Boy, c'est Billy. Eh oui, il a perdu son métier. Non, c'est vrai? Oui. Oh! Eh, sérieux? Ah, parce que je lui clique sur la tête, il secoue et il fait. Non, mais oui, il a plus son petit truc à la voile. GG. Ah, bah parfait. Bah oui. Alors, il y a un Discord, oui, il y a un Discord Celestia, mais c'est private en fait. C'est private. Ramenez-nous la meule! Bon, alors du coup, c'est quoi qu'il faut? C'est le Stonecutter pour le maçon? We need the meule. Enfin, c'est pas la meule, mais oui. C'est le Stonecutter qu'on met. Bah, je l'ai pas la meule, je sais pas où elle est. Ah, c'est le Stonecutter qu'on met. Oui. Alors attends, par contre, faut déjà boucher pour pas qu'il se barre. Watan. Vas-y, et là maintenant. Un Watan! Arrête ta connerie, mec. Un Watan! Mets le Stonecutter. Voilà. Ta-da! Allez, c'est parti, maintenant on va le sécher. Pourquoi j'ai plus d'émeraudes? Ah! Qu'est-ce que c'est? Allez, ramène les émeraudes, poteau! Par contre, je pensais pas que pendant que j'étais en train de trade, tu pouvais taxer les émeraudes comme ça. Attends, qui c'est qui a pris les émeraudes? C'est toi, Dark, ou c'est Vexios? Ah non, c'est pas moi! Honnêtement, je n'ai aucune émeraude sur moi. Ramène? Tu rigoles? Ah non, attends, non, sérieux? Donc, C'était 12! C'était 12! Ah merde, je crois que c'était. Non, c'est moi qui ai fait de la merde. Ah bah voilà, bravo. Que moi on rejoint Celestia. CV, lettre de motivation, et puis vous l'envoyez au Celestia. Non, 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 dis pas ça parce que c'est pas comme ça. Dis pas ça, c'est pas comme ça. Tu vois qu'elle me fait ah non, dis pas ça parce que ça marche pas. Bah, c'est pas gentil quand même, tu vois. C'est bon, j'ai fait XP. Merci Vexius. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Pour vraiment. Pour vraiment tuer le poussin dans l'œuf. C'est beau. Alors pour le... Hein, voilà, parce que... bon, tu vois ce que je veux dire. Faut pas qu'il y ait d'éclosion. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est qu'effectivement, déjà, de base, on aurait plus tendance à faire venir un pote IRL. Ouais, à faire venir un pote IRL, etc. Et tout. Donc c'est compliqué. Pour noyer l'autruche dans le siphon, comme qui dirait. Donc ça reste délicat, voilà, ça reste délicat. Pas qu'on veut pas que tu viennes, mais c'est pas facile, c'est compliqué. Eh, il a mis du temps quand même à dire tout ça. C'était long, c'est beaucoup d'énergie, Watan. Ouais. Tu sais que t'aurais pu synthétiser le truc, hein.
Non, j'aime pas être en mode ouais, ah non, mais... gros, tu fais quoi. Je comprends la question et c'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que tu peux l'exprimer assez simplement de manière à dire, parce que c'est vraiment le cas, c'est juste tu ne peux pas malheureusement décider là-dessus. C'est pas toi qui décides. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'est pas toi qui décides. Voilà. c'est pas toi qui décides. Ta gueule. Oh putain. Ah mais il y a déjà de la brique, j'ai trade comme un cochon, t'as plein de briques. Tu peux prendre des blocs de briques, t'as vu. Voilà. Merci, voilà. Je vous ai compris. Surprise. Je vous ai compris. Un confruit, c'est la pugnoisie. Kama. Des fois j'abandonne à essayer de vous comprendre. Mais non, mais c'est la pub Oasis, parce que au lieu de dire des qu'ils peuvent dire fruits, ça fait surprise, au lieu de surprise. D'accord. Putain, je peux plus. Je vous ai confruit, parce que au lieu de dire vous ai j'ai envie de mourir. Parce que c'est des fruits. Il aurait pu dire tu peux pas. Non, mais ça me faisait beaucoup rire. Parce qu'on sent la gentillesse de Wotan, mais qui arrive pas à trouver ses mots. C'était ça, fruits. Ouais, j'avoue, j'ai pas réussi. J'ai été. Ouais. Ça m'étonnerait pas que ce soit Vexius qui soit allé casser des baraques, mais. Hein? C'est le mec qui balance. Qui encore? C'est pas possible. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Non, Vexius il casse pas les baraques, il en a besoin pour pouvoir aller squatter, dans les sous-sols. Ça squatte dans les bas-fonds! Ça squatte dans les caves! Qu'est-ce que je peux lui mettre? Putain, j'avoue, il est cher. Tous ces prix, ils sont augmentés à suc, quoi. La vache. À suc. Vexios, il construit sous les baraques. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est dans les bas-fonds, frère. Je sais pas d'où je viens. Voilà, je faisais... L'accent était parfait. Non, c'est pas d'où je viens. Je fais de l'isolation, les gars. C'est pour ça que je mets de la dirt. C'est l'isolation phonique et tout. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais y partir en beatbox, là. J'ai pas compris, ouais. Je m'énerve, mais en beatbox. Putain, mais t'es chiant. Regarde, mets-toi ta fenêtre. Si tu veux, putain. Oui, c'est bon, t'es bonjour, content. Bonjour, je suis votre tour, bâtard. Le mec qui met une échelle pour venir te voir. Bonjour. Vexius, c'est une tortue ninja, il vit dans les égouts. Tu veux qu'il te passe sur France 3? Ouais, j'avoue, Dark Event. Ah oui, Scrap Mécanique, c'est terminé la série. Oui, quoi. Il est passé sur France 3, Dark Event. Ouais, mais France 3 région, hein, pas national. Non, mais dis pas, c'est pas grave. Dark Event, il est passé sur France 3. Région, hein, mais c'est pas grave. Raphaël, Dark. Le YouTube. Très célèbre figure de l'internet. Fait des vidéos en jouant aux jeux vidéo. What? J'aurais presque une voix des anciens joueurs. Ouais. Raphaël, Dark. Fait des vidéos. Pour un public de plus de 300 000 abonnés. Mais c'est un scandale. Et vous gagnez de l'argent, mais c'est un vrai métier. Mais tu travailles. Ils sont pas fait cette enquête, un enquêteur forcené, nous avons découvert qu'il touchait plus d'un euro par abonné. Par mois. Oh. T'imagines, mec. Franchement, si c'était vrai, je pense que là, pire que Kingstar, là. Ouais, franchement, ouais, ça va, quoi. Il est donc imposé sur les grandes fortunes. Tout à fait. Mais, tout à fait. Mais comme ISF a été retiré, vu qu'il est pote avec avec ma grange. Il est soumis à l'ISF. Le quoi? L'ISF, c'est quoi, hein? ISF. Ouais, c'était la jalousie, en fait. C'était la jalousie. Il était derrière la porte, s'il vous plaît, monsieur Darkivan. Ça grattait. Lâchez-nous un Big Mac. Ça grattait de ouf. Hey, frère, t'aurais pas une nuggets ou. Moins que ça, Mikozan, moins que ça. Beaucoup moins. Ah, ça commence à faire des estimations, ça y est. Dark qui build, si un jour j'aurais imaginé. Ah, je vous avoue que. Ouais, je vous avoue que là, je sais pas. Non, mais je pars en mode de total impro. Mais... Attends. No joke, ça commence à avoir de la gueule ton truc, hein. Écoute. C'est non, mais c'est vrai. C'est Wotan qui me le dit, alors je suis un peu en mode. Okay. Par contre, regarde, t'as zappé un petit bloc ici, là, faut mettre deux. Ouais. Ça, c'était juste pour. C'est Wotan qui m'a dit ça. Dark Event, figure incontournable de l'internet. Avec ses 154... Putain, mais... Je trouve que c'est joli comme ça. 154 euros par mois. C'est une maison d'opticien avec quelle patte.
Je l'ai vu, j'ai rien dit en mode putain, mais quelle bande d'enfoirés. Je suis resté sur l'idée de ma bite géante là, qu'il y avait, vous savez, sur la première maison. Parce qu'il y avait ce truc là déjà que j'avais fait, je voulais garder ce truc là. J'ai rien entendu, hein. Cette phrase sera totalement sur mon nez de PNJ géant. Ouais, je suis. Je suis outré de ce que tu viens de dire. Outré, monsieur. Non, mais c'est vrai, j'ai appris. Alors, c'est ça qui est beau avec Internet, c'est que tu apprends plein de choses, mais j'ai réellement, no joke, appris qu'il y avait effectivement des Twitchers ASMR qui maintenant mettaient du jeu vidéo ASMR. C'est un peu particulier comme concept. Mm-hmm. Mais c'est des gens qui jouent au jeu en faisant de l'ASMR, en fait. D'accord. Voilà, c'est fascinant, n'est-ce pas? Là, c'est une petite résonance. Oh la vache! La voix de cave! Vous ferez aussi des chants d'église. Non. Non, s'il te plaît. Non. Ou le muezzin aussi, si vous voulez. Putain. Je vous ai dit que c'est. Je vous avais dit que les lives partaient de plus en plus en cacahuète. Mais attends, Silblood. Envoie-moi le lien. C'est quoi la chaîne que t'as... Envoie le lien. Je te l'envoie. Abonne-toi. Ah non, tu peux pas. Mais non, je suis bête. Tu peux pas. À la chaîne de Wotan. Non, c'est pas ça. Comment il s'appelle la chaîne, tu me dis? Et de Dark Ivan. Attends, il y a une chaîne qui s'appelle À sa mère. Parce qu'on a plus de flaque d'eau, on a asséché le lac. Flemme d'aller là-bas. Wingardium Leviosa. Leviosa, hein. Nous sommes réunis aujourd'hui. Pour fêter l'union de deux personnes qui s'aiment. Je l'aime. Ah oui. Calmez-vous. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Copulons copieusement, maintenant. Non, il est interdit de copuler sur le micel. Oh, MP, sinon, s'il vous plaît. Mais oui, d'accord, donc il y a une chaîne qui s'appelle À sa mère, ok. Bah, Raphaël Azendark, 300 000 Big Buzz. De la plateforme Internet Twitch. Désirez-vous prendre pour époux Wotan n'importe concubin futur, Wotan. En n'importe quoi. Alias, je diffuse et pas fuse. Ici présent. Oui, copulons. Attends, j'ai pas encore dit. Monsieur et madame copulons. Bon, allez, je vais remettre mes paramètres parce que. Hors de contrôle. J'ai débloqué le quartz photo. Gigi. Amen. Gros Gigi. Bon, maintenant il nous faut un farmer. Il faut Mylène. Maintenant il nous faut un farmer pour avoir. En fait, en vrai, c'est vrai qu'ils ont raison. Il faudrait qu'on arrive à avoir un pillager pour faire blesser les prix. Déjà, ce sera mort. Oh damn. Et il nous faut un farmer pour pouvoir trade un bon, c'est pas cher, c'est un émeraude pour un bloc de. Non, l'émeraude il est barré. C'est 8 à côté. Lol. Hein? Le 1 émeraude. Mais moi j'ai pas de blessé de PNJ, donc du coup moi mes prix, c'est pas les tiens. Mais non, mais c'est toi qui aurais dû farmer depuis tout à l'heure, je me suis pourri pour rien, putain, j'ai envie de pleurer. Bah je savais pas moi. Oh, j'ai pas pensé. Du coup moi un émeraude c'est un bloc de quartz, hein. Il est pas barré moi. Oh, je viens du balancer pour avoir. Attends, j'ai produit les tiens. Je viens du balancer 8 émeraudes pour. Bah attends, je prends de la clé là, je vais te rembourser un émeraude. Je peux... Bon, écoutez, les enfants, Dark Evan est le trader officiel de la base. C'est toi qui fais le trade. Tu feras tout le trader avec lui, tu vois, tu prends toute la. Voilà, tu prends tout ce qu'il y a. What a deal! Non, par contre, true story, bro, je te laisse faire les trades parce que du coup, moi, il me surtaxe quoi. Oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, la suite de ma maison hein, qui se terminera au prochain épisode. Je vous remercie de suivre, n'hésitez pas à soutenir sur YouTube, évidemment ça fait extrêmement plaisir, live tous les soirs 21h-22h, Celestia c'est le jeudi. Plein de bisous, ciao à tous, vous avez tous les liens dans la description, et à la prochaine les amis.